Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est pas grave, je remettrai après. Je fais un nouveau vlog sur ce Diamond Painting. Je suis là. Voilà. Donc je vous ai fait la première impression. On va papoter. Il y aura des incorporations. J'en ai fini avec vous dans la première impression. Je vais juste allumer ma lumière parce qu'elle commence un peu à faire mon ventre et que je n'y vois pas beaucoup. Alors, la couleur numéro 2. Elle est là. Donc oui, je vous ai tourné la première impression. On a préparé aussi les diamants ensemble. Je ne vois pas pourquoi ça ne veut pas coller. Donc. Désolée, vous allez entendre ma mère. Voilà. Tais-toi! Désolée. Je vous dérange alors, je vais vous rappeler. Oui, je rappellerai plus tard. Bonne soirée à vous. Au revoir. Désolée, c'est mon chien qui a aboyé. J'en ai trois. Donc, oui, ma mère est au téléphone. Désolée. Ouais, du coup, je vous ai tourné ces vidéos. Donc, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai fini. Ouais, bon, cette cire, elle vaut rien. Dans les multiplaceurs, ça m'énerve. Bon, voilà. Désolée. Je vais replacer cela pour le coup. Donc, voilà pour les vidéos qui vont arriver. Il y a la revue du partenariat, enfin le vlog et la revue du coup, parce que c'est une seule et même vidéo. Donc voilà. Là, cette semaine, alors qu'est-ce que je vais faire? Là, je tourne la vidéo, on est le 26 octobre. Très bien que ma mère, faut qu'on aille chercher le billet de train. Mon petit chien parce qu'il devait rester chez quelqu'un qui le garde souvent, donc qui connaît, hein. Mais la personne n'est pas dispo, donc voilà, on l'emmène, on s'en fiche un peu, au contraire on est heureux de l'amener, on se tâtait. Voilà. Oui, demain après-midi, on va faire ça. On est quoi? Demain est jeudi. Oui. Vendredi, ma mère, elle a ses élèves. Vendredi matin. Moi, je n'avais pas la balnéo. Problème de fille. Même féminin. Donc voilà. Est-ce qu'on a du 3? Il me semble. Non. On a du 4 et du 5. Le 4. Oui. Je vais vous montrer les couleurs. Enfin, les couleurs. Les diamants. Je
j'en mets par terre. Alors, je peux pas mettre le flash parce que mon portable est en train de charger. Et du coup, ben, ça fait que je peux pas le mettre. Donc, j'en suis désolée. Pourquoi j'arrive pas à travailler avec ce stylet? J'ai l'impression qu'il pose mal les diamants avec la réglette. Vous voyez, là, ça le fait de pop. Mais aux autres, ça l'a pas fait. Et ça me stresse un peu. Après, de toute façon, je vais passer en code roulant, mais bon. Voilà. Moi, ma mère, vendredi, elle a ses élèves. Samedi, on ira faire les cours. Voilà. Semaine prochaine. Alors, faut que je regarde d'ailleurs dans le placard, là, dans le couloir. Alors, s'il faut, du coup, qu'on en rachète une paire de chaussures pour l'hiver ou si. Enfin. L'année dernière, on en a acheté une paire, hein, 9 ans, elle était neuve, et je crois que je l'ai jetée sans faire exprès quand j'ai trié ma pente dorée qui est juste là, à ma droite. Donc, on regarde dans le placard de notre couloir si on les a mis là-bas ou si j'ai réellement fait la bip de les avoir jetées. Et clairement, ça m'embêterait de les avoir rejetés. Vous voyez, hein, j'avais. La seule chose qui me reste que je peux pas ranger, c'est du 2 parce que j'ai pas assez de cases. Et voilà, du 5. Ouais, et je vais les prendre comme ça. Là. Ah, j'ai oublié du 4. Donc voilà. Donc, si jamais je les ai jetés, bah, tant pis. Je vais m'en racheter une paire. Parce que je vais pas rester pieds nus. Enfin, je suis pas pieds nus, j'ai mes baskets, mais bon, s'il fait froid. Que j'ai des chaussures pour l'hiver. Après, ben, le 6. On se repose. Non, le 5, on ira faire les courses. Oui, nous on fait nos courses tous les samedis. Le 6, on se reposera parce que ce sera un dimanche. Le 7, ma mère va reprendre son travail. Bon, le 7, j'ai rendez-vous au dentiste. Vous allez me dire encore oui. J'ai mal à. Alors, comment dire? C'est pas une dent, c'est pas une carie. C'est entre la gencive et la dent. Ouais, c'est un peu bizarre comme phrase. Mais c'est là que j'ai mal. Donc voilà. Je vais faire le A. Je sais même pas si j'en ai du A. Du E, j'en ai oui. Quand j'en ai pas beaucoup, je prends carrément dans la. Je mets dans la barquette à partir d'une dizaine de diamants. Mais avant, je prends la petite boîte. Voilà. Et le 8, je sais pas, bah le 7 après-midi. Le 7 au matin, je vais au dentiste. Le 7 l'après-midi, je vais faire ma chambre. Le 8, je ferai le ménage au salon, quoi. Parce que ma mère travaille. Le 9, moi, je vais aux toilettes. Alors, ma mère doit aller au travail, mais elle n'ira pas travailler le 9. Il me dit, ouais, ta mère manque beaucoup. Mais c'est pas qu'elle manque, parce que de 1, elle va se faire soigner, elle va chez le dentiste. Et de 2, elle a des congés à récupérer, quoi. Donc, c'est pour ça.
Vous allez vous dire comment ça se fait que t'as pas mis les alpha numériques dans leur endroit. Vous allez vous moquer de moi, les amis. C'est que dans mon, sur mon cahier, j'avais dû couper quelques symboles. Et du coup, je me suis retrouvée avec certains symboles que je n'avais pas sur ma feuille. Voilà. Attendez. Ouais. Le E, il est fait. Le F. Donc, pour l'instant, les déchets, ben, c'est comme d'habitude, les diamants qui n'ont rien à faire dans cette couleur. Ah oui, je voulais vous dire, je suis désolée, dans le vlog, dans le dernier vlog que vous verrez, dans la dernière vidéo que vous verrez du partenariat, j'ai oublié de vous montrer les déchets, il n'y en avait pas des tonnes. C'était surtout des déchets comme là où le diamant n'avait rien à faire dans la couleur. Désolée. Mais j'ai eu pas mal au ventre. Ces temps-ci. Depuis avant-hier soir. Non, j'ai rien de grave. Hein. Donc, voilà. Et du coup, j'ai vu que vous avez des vidéos. Je vous ai programmé des vidéos jusqu'au 9 novembre. Non, même pas jusqu'au 11 ou 12 novembre. Donc, après, là, vous allez avoir 3 vidéos avec celle-là que je vais essayer de vous caler. Voilà. Et en fait, comme ça, moi, vous aurez des vidéos pendant la semaine où je ne serai pas là. Mais alors, parce que sinon, je sais pas. Vous auriez pas eu de vidéo de la semaine et ça m'aurait un petit peu embêté. Alors, je regarde et j'ai oublié du 8. Ça m'aurait étonné que je n'oublie pas. Donc, on va rattraper le 8. Donc, voilà. Ensuite. Ouais. Moi j'ai fini mes devoirs là jusqu'à vendredi. Ouais, j'ai plus rien à faire. J'ai plus de devoirs. Il y a plein de devoirs que je vais avoir vu que je fais que de matière, je vais pas avoir les tonnes. Et vu que le 10 novembre on se tape entre 6h et 8h de train. De voyage quoi, parce qu'on fait chez moi à la gare La Part-Dieu, donc à Lyon. Allez, on change pour aller jusqu'à Montpellier. À Montpellier on rechange pour aller jusqu'à Toulouse, et après à Toulouse, non c'est pas Toulouse, non. Si je sais plus, je demanderai à ma mère, au pire si jamais je me suis trompée, mais il me semble que c'est Toulouse, pour aller là où je vais, ben 2 heures de plus. Hop. Du H, j'en ai pas. Du J, j'en ai pas. Du K, on en a 2 ou 3. Donc, on va l'attraper comme ça. Et une lettre, le U. J'en ai 3 tonnes. Ah, mais si. Non, bah non. Non, non. Et une lettre, le U, je sais pas où il va. J'en ai 3 tonnes. C'est du verre. J'ai 2 boîtes et demie hein, de pleine. Vous allez voir hein, dans le. Et je ne vois pas où est-ce qu'il doit aller. Donc voilà. Donc on verra bien.
que là, je le vois pas. Déjà, dans la zone où je suis, j'en ai pas. Sinon, je le verrai. Le cas, j'aurais dû le mettre dans la zone. Je le mets dans, un peu dans ma barquette parce que ça me demande d'aller à la pêche. Non, voilà. Non, ouais, je ne vois pas le U. Alors, soit c'est moi qui ai mal fait. Et bien, dis donc. Soit je sais pas. Parce que le U. Je regarde comme ça si je me vois. J'ai du L, j'ai du V. Mais je sais pas où il va le U. Le U, je sais pas où il va. Et vous savez que ça m'inquiète, hein. Oui, bon, on verra bien, ça sert à rien que je m'affole, de toute façon. C'est ma mère qui appelle les parents des petits à qui elle fait le soutien scolaire. Durs, je comprends pas pourquoi ils sont aussi durs. Je vais encore essayer une fois, sinon je vais essayer avec celui-là parce que j'ai peur de casser mon stylet. J'aime bien celui-là en plus. Je préfère abîmer un stylet rose comme ça. Oh, j'aime pas cette cire bleue. Alors, c'était dans un kit de Diamond Dot. Non, que j'ai acheté sur Vinted, hein, parce que j'ai pas envie de m'acheter du Diamond Dot. Voilà, le petit. Je crois que c'était dans le kit. Non, c'est pas. Non, c'est pas du Diamond Dot. Non, c'était dans un kit d'action. Non, c'est du Diamond Dot, celle de la cire rose. Ouais, mais elle est pas. En gros, ça veut dire que c'est du action, hein. Voilà. Donc pour rappel, je n'ai pas de lien pour ce DP. C'est un DP d'une série de chez Action. Je pense plus qu'elle y est. Parce que ça, c'est un DP que j'avais en retard. Et je
veut l'avancer assez rapidement celui-là. Est-ce que si j'en prends 3, ça va? Oui. Donc voilà. Le lien de mon stylet clé là, celui-là. Je peux pas vous mettre de lien. Alors, c'est pas que je veux pas. Hein. Alors, moi, j'appelle ça un stylet clé parce que c'est pas un stylet niqué. Hein. Regardez. Si je vous le mets comme ça, c'est une clé. Je l'avais acheté sur Shopee. Et Shopee, ça n'existe plus, malheureusement. J'adorais ce site. Ça me fait penser que j'ai oublié de faire ça sur Shein. Faut que j'y fasse aujourd'hui. Sinon, ça va me supprimer tous mes points. Je le ferai tout à l'heure. Parce que sur Shein, je sais pas comment vous dites. Moi, je dis Shein. Shein. Vous avez un truc, c'est checklist, je crois que ça s'appelle. En fait, ça vous fait gagner des points et après vous payez moins cher les choses que vous l'achetez. Et moi, grâce à ça, j'ai fait quand même pas mal d'économies. 4. Donc voilà quoi. Mais quand il veut, il fait son job. Multiplaceur, là j'en ai 5. Hop. Ouais, et j'ai changé de multiplaceur, j'en ai pris. Je sais pas combien. Je pense de 12. Si je veux pas vous dire les bêtises. Et je crois que c'est un multiplaceur de 12. Et finalement, c'est vrai, je m'en sors pas trop mal. Avec. Il m'aide un petit peu. Voilà, les multiplaceurs, moi je les ai pas achetés, ça, hein, ceux-là. C'est des multiplaceurs que j'avais dans les kits que je reçois, que j'ai reçu, pardon, désolé. J'ai bugué sur un coup, j'ai dit mince, je ne peux pas une bêtise, mais non. Les diamants sont pas statiques, c'est ça qui est cool. Ils étaient en sachet style ribambelle. Là, j'attends encore un dernier d'épée, après je n'en achète plus dans le long moment. Et là, c'est vrai. Au moins jusqu'au mois de février. Il s'est aidé. Je sais, j'en ai 2. Et j'en ai 1. Moi, j'aime bien elle. Flûte. Le dé, il est là. Alors, je sais pas s'il va bien rendre ce DP. J'ai l'impression que déjà comme ça, il a l'air pixelisé. Mais tant pis. Hein. Voilà. J'ai tout ça comme U. Alors attendez. Voilà. Et je ne le vois pas.
Donc si j'ai tout ça, normalement je suis censée en avoir des tonnes. Et donc je ne le vois pas. On va faire le S. Oh, j'ai bien regardé, je me suis pas trompée de diamant, c'est bien les diamants de ce DP. Parce que quand j'ai vu que j'avais une couleur que j'avais pas sur mon cahier, je me suis dit, attends, dans mon œil, tu t'es trompée de sachet. Et non, non. Le N, j'en ai pas mal. J'ai mis du washi parce que. La boîte ne se ferme pas. Oula. Ça, c'est du R qui s'est fait la malle. J'en ai pas du R des fois. Hop, le diamant. Elle est là. Donc voilà. Et mais attendez. Ah mignon. Je sais ce que c'est. Ça y est. J'ai trouvé. C'est pas du U, c'est du V. Ça y est. J'ai résolu l'énigme. Par-dessus, c'est du V. Voilà. Et oui, parce que là, j'ai du V et j'ai rien qui correspond. Et du V. Est-ce que je l'avais là? Ouais, non, vous voyez, j'avais dû couper des lettres. Ouais. J'avais dû couper des lettres. Bon. On a trouvé ce que c'était. Bon, continuons avec notre N. Que je ne risquais pas de trouver. Hein. Il n'y en avait pas du U, c'est du V. Je ne sais pas ce que j'ai lu. Faire pas mal d'incorporations dans ce DP. Oula. Ouais, je pense que lui il est pas loin de 18h, 18h30. On est le 26 octobre, j'ai dit novembre, mais non, 6 octobre. Dans 2 mois, c'est Noël. Nous, clairement, on reste chez nous. Voilà, cette année, on reste chacun chez soi. Non, oui, parce que mes frères et soeurs sont chez des amis, et Julien S. Il faut que j'y revienne et que je dois faire mon V ici. Ben, j'en ai 3. 3, une V. Je vais chanter la chanson de je sais plus qui. Il y a des jours comme ça où rien ne va. Des jours où on ferait mieux de rester au lit. Bon, ça veut pas. Ou c'est moi qui arrive pas, ou c'est moi qui
bug, je sais pas. Moi, j'ai quand même un problème avec ce stylet. C'est bête, hein, mais... Et m'attendez. J'ai mis la cire. Je pense qu'on coûte trop pour prendre dessus. Voilà, du coup on va finir la réglette ensemble. On a presque fini, je vous dis du L. On va mettre du L et du S et le V. Le fameux V. Alors, il me faut ça. Je vais juste me prendre mes deux petits L, je crois. Oui, que j'ai zappé. Deux. C'est pas dans l'ordre. Le S que j'ai zappé et on va faire le V. Je vous jure. On va prendre la quantité et le mouvement. Bon, est-ce que je vais réussir à prendre 3 diamants? Enfin, à les attraper ça, mais... Il m'en refaut 3. Je pense que quand on aura fini cette raguette, je vous laisserai. Alors, je vais peut-être pas monter le vlog maintenant. Je vous montre au dernier moment, une fois que j'aurai fini le DP, comme ça, si j'ai envie de vous reprendre, je pourrai. Allez. On a presque fini la raclette. On va voir ce que ça rend. Je vais passer un coup de rouleau. Donc c'est pas un rouleau exprès pour diamond painting. Alors moi je m'en sers exprès pour ça. Moi, c'est un rouleau de pâte à sucre qui est fait pour la pâte à sucre. Moi, je me suis acheté pour le DP. Et ça fait l'affaire. Ça fait le job. Et c'est très bien. Pourquoi t'es parti? Le diamant, il s'est faufilé. Je sais pas ce qu'il fait là. Je le rattraperai après. C'est pas grave. J'en oublie un. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais juste ranger les diamants et je vous montre.
Hop. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Voilà ce que ça rend. Donc là, je vais passer un coup de rouleau. Bon, c'est un rouleau comme ça que j'ai. Voilà. En fait, le bruit que vous entendez là, c'est les diamants qui s'enfoncent bien. Je vais juste bien y mettre en face de moi. Donc c'est la deuxième fois que je l'utilise. Hein. Cette réglette, je l'avais un petit peu utilisé sur l'éléphant que je faisais en duo avec avec Megan de la chaîne Les Diamants de Megan. Et après j'avais arrêté parce que c'était... Le DP était trop gros. Et là, prends un petit DP comme ça. Alors, on va voir ce que ça rend. Puis j'avais mal fait mon quadrillage. Voilà quoi. Et bien, écoutez, ça n'a pas l'air mal du tout. Hein. Je vais couper ça, puis je vais vous montrer de près. Ah là, j'en ai oublié, je suis allée faire vite fait. J'ai du 1, du 2. Je vais mal calculer là aussi. On n'est pas des tonnes. Après, une fois que les autres sont quand même bien droits, on peut mettre le reste aussi bien. Je vais réussir à en attraper un ou pas? Du C, L, V. Pardon, je suis désolée, je vous ai fait bouger. Le L. Le C, et après il ne manquera plus que le V, et on aura tout fait. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Le V, le fameux V, et tac, voilà. Donc, je vais poser ça ici. Donc, tout à l'heure, tu veux faire un trou là, tu veux pas. Donc, tout à l'heure, je t'avais mis comme ça aussi. Hop. On va couper le papier. Je crois que ma lame commence à se faire vieille. Ah ben voilà. Toc. Voilà. Allez, je vais vous montrer de plus près.
ce que ça donne. Alors ça brille, hein. Pas beaucoup, mais ça brille. Et vous voyez, en vous, dans la première, je sais pas si vous voyez, là, on avait mis des strass dans la première impression. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça de dessus. Je vais calculer la prochaine section qui sera faite demain. Parce que là, il commence à se faire tard. Je vais au salon. Sur la ligne au-dessus du cas. Alors après nous restera, je pense que demain cette ligne sera finie. Voilà. Bon. Donc je sais pas si le vlog continuera ou pas. Donc soit je vous souhaite une... Au cas où, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ma chaîne et à vous abonner. À activer la petite cloche de notification. Pour être prévenu de quand je sors une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Et sinon, ben, à tout de suite pour vous et pour moi dans quelques jours. Coucou tout le monde, là je vous fais le dernier segment du vlog. Donc pour vous situer un peu dans le temps, on est le 31 octobre, oui. Donc, je suis malade, enfin, je vais vous expliquer. Désolé, je vous ai fait bouger. J'en étais au chiffre 3. Désolée d'avoir coupé. Donc j'en étais au chiffre 3. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Donc je vais vous raconter voilà, ma semaine et tout. Désolée. Alors, je sais pas quel jour je m'étais arrêtée. Donc, le vendredi, on a été faire des courses. Et du coup, on était sur vacciné. Et depuis vendredi soir, et ben, je suis malade. Alors, vaccinée contre la grippe. Désolée. Et du coup, depuis vendredi soir, je suis malade. Alors, vendredi soir, j'ai la gorge qui piquait. Samedi aussi, dimanche aussi. Et aujourd'hui, je tousse et j'ai le nez pris. Et j'ai mal à la gorge. Donc, voilà. Sinon... hier, je suis restée tranquille. On est resté tranquille. Pour le coup. Là, ce matin, j'ai rangé ma bannette ADP. Parce que c'était le vrai foutoir. Donc, j'ai tout rangé, tout mis correctement. La seule chose qui me reste à faire, c'est déplier les DP en col double face avec le papier opaque et les mettre dans ma petite pochette.
Aujourd'hui, j'avais pas envie. J'ai un peu trié mes diamants carrés parce qu'en fait, il me manquait quelques petites couleurs pour ma toile vierge. Alors, vu que c'est que du vert et du jaune, je prendrai au fur et à mesure que j'en aurai plus. Dans mon stock de diamants carrés. Je suis désolée, je tousse. Pas trop le choix. Donc là, c'est bon. On va faire le numéro 4. Ouais, du coup, là maintenant, je refais des grandes sections, sinon je n'aurai jamais fini. Alors, j'ai fait des substitutions. Je devais mettre. C'est quoi ça? Ça sera bon. Que j'ai fait? Attendez, je crois que j'ai fait une bêtise. Et. Oui, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'en ai fait? Un sachet jaune. Est-ce que j'ai mis ça, ça? Oui. Ce sont les mains. Bon, bref, c'est pas grave, je chercherai après. Et du coup, ouais, j'ai fait des substitutions. Donc, j'ai mis de ce strass. Voilà. Et j'ai mis un ou deux strass de cette couleur. Il y a deux violets mélangés, mais je m'en fiche. Après, je devais mettre des fleurs comme ça, je vous avais dit. Et des petites boules comme ça, mais. J'arrive pas à les placer, donc je mets pas. Et j'ai mis du jaune, du strass jaune, sauf que je ne retrouve plus le sachet. Et pourtant, j'ai dû le remonter. On est fini. Ça, c'est une autre question. Vu que là-dedans, c'est le vrai bazar de nouveau. Attendez. 1, 2. Ça, j'en ai que 4, logiquement. 3. 2, 3. Ouais, est-ce que j'ai commencé à créer des strass que j'avais de mélanger comme ça, je vais vous montrer. Vous voyez? Il est où alors? Pas là-dedans, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, mais j'ai dû perdre. Parce qu'il n'est pas par terre. Oh, ça m'embête. Oui, ça m'embête. Bon, sinon, je verrai si j'en ai pas un autre de jaune. C'est vrai que j'avais fini de ce côté, mais. Ça m'embête. Je vais chercher encore. Je me pense. Mais aussi, je me compte. Sachez. Qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3. Mais oui, puisque j'en avais 4. Je sais plus ce que je fais, les amis. Ou alors, j'ai. Vous allez me dire, je pourrais prendre un sachet que j'ai là, hein, du jaune. Oui. C'est pas un souci. Mais bon, ça m'embête un peu quand même. De toute façon, ça sert à rien. Attendez. Je viens de trouver un trésor. Un trésor. Ça. Pour vider mes stylets.
Non, je crois que je fais du truc. Désolée. Bon. Continuons. Là, on en était. Ouais, du coup, je suis malade. Hein. Je suis chiant, hein, mais ça m'énerve. Ah, mais ils sont là, mes ciseaux. On a de où ils étaient. Et bien, je les ai retrouvés. Ça, c'est le 4. Je vous remontre hein, vite fait. Ils s'alignent bien. Donc, j'ai pas de DMC pour cela. Donc, vous verrez toute la préparation et la première impression. Oui, du coup, je suis malade. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire on va rester tranquille. Parce que... et dans mon qu'on est un peu. Malade, vraiment. Moi j'ai la crève, ma mère ça va un peu, elle a juste le nez, il m'a la tête. Il tousse un peu. Donc c'est pas le Covid, hein, c'est parce qu'on s'est fait vacciner contre la grippe. Et comme chaque année, c'est que je suis vaccinée contre la grippe, et bien j'ai chaque mini grippe. Et ouais. Donc voilà. Mercredi je vais à la balnéo. Vendredi aussi, samedi on va. M'acheter une paire de chaussures parce que j'en avais des neuves. Mais comme une idiote que je suis, je les ai jetées cet été quand j'ai fait mon... le tri dans mes placards et dans ma penderie. Je les ai foutues en l'air. Et vu que quand les avant si vous voulez, on pouvait prendre le bus pour aller faire la boutique qui est juste à côté de chez moi. Maintenant, il faut prendre le train, s'arrêter, donc déjà acheter un billet de train pour aller jusqu'à là où on allait. D'habitude, acheter un billet de bus, prendre le bus pour aller jusqu'au magasin. Donc, je crois que ma mère aussi, ben, on va carrément aller. Allez, mon père, adieu. Au lieu de prendre un billet de train pour aller juste à côté de chez moi, on va aller à Lyon par radio et puis voilà. Donc on est pas trop trop loin. Donc voilà. Le 4 il est fait, c'est bon. Ça m'énerve d'avoir perdu ces diamants. Mon ami, ils sont dans la poubelle. Ils sont tombés. Quand j'ai fait mon grand ménage de début. Ce matin. Bref. Désolé, je vous ai fait bouger. Donc voilà. Alors, je sais pas pourquoi. Dans cette DMC. Alors, on va regarder si c'est moi qui. Je pense que c'est moi qui plane. J'ai l'impression d'avoir mélangé deux teintes. Mais je pense que c'est moi qui plane. Voilà, du coup, partenariat jusqu'au. Quand on verra cette vidéo, vous aurez vu mon troisième partenariat avec la boutique Mythophasia. Là, jusqu'au mois de février, j'en fais plus, j'achète plus de DP. Seule chose que, que je vais acheter ce mois-ci. Pour un DP, c'est un pilulier parce que j'en ai. Celui-là, clairement, il est mort. Et j'en ai un autre qui est mort. Il m'en faut. Hein. J'ai oublié plein de trois. C'est pénible. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas sur Chine.
C'est que si je mets pas mes petites pièces, enfin, les petits bons là qu'on gagne un petit peu tous les jours, je ne paye pas de frais de port. Et si je les mets en ce moment, là, du moins aujourd'hui, ben, je paye des frais de port. Par exemple, j'en ai pour 9 euros et quelques, mais si je m'en sers, j'en ai pour 10 euros et quelques. J'ai pas trop compris leur concept. Enfin, c'est pas grave. Je pense que je les utiliserai pas, non. Enfin, 10 euros et quelques, parce que je vais commander plusieurs choses. Et finalement, je vais juste commander ça ce mois-ci. Voilà. Je suis désolée, les amis, j'ai la voix complètement cassée. Alors, j'espère que vous m'entendrez. J'arrête pas de tousser. Désolée pour vos oreilles, mais je suis malade. Ouais, je suis souvent malade, je sais. Alors, je suis toujours avec ma petite stick bleue, là, comme ça. Mais, voilà, je suis en train de finir ce bout. Mais elle vaut pas grand-chose. Hein. Franchement, on peut mieux faire, comme dirait l'autre. Oh, je vais être chiante, hein, mais ça m'énerve d'avoir perdu ses strass. Ça sent même que je les cherche parce que je ne les retrouverai pas. Donc. Voilà. Sinon. Après, ça me dit après avoir fait le petit coup, on ira faire les courses. Puis voilà. Dimanche, on reste tranquille. Lundi, ma mère, elle travaillera. Donc, la semaine prochaine, parce que là, on est le lundi 31, comme je vous ai dit. Est-ce que j'ai du 7, 8? Non. Vous voyez quand je voyais qu'il est mort celui-là, regardez. Et j'ai 3 boîtes comme ça. Est-ce que j'ai du oui. Je crois qu'il va falloir que je mette de la cire fraîche dans ce stylet. Donc voilà, c'est tout. Je pense pas vous garder trop longtemps. Parce que vu ma voix. Déjà j'en ai presque. J'ai presque plus de voix. Le temps chez nous, ben là, aujourd'hui, il fait gris. Aujourd'hui, il fait gris. Et moi, j'ai froid. Mais c'est parce que j'ai la crève. Voilà. Je sais pas si vous voyez dans cette section. Ben, là, j'ai mis des strass. J'en ai mis là, j'en ai mis là aussi. Je vais vous montrer un petit peu plus près. Vous voyez? Mais oui, pour l'instant, j'aime bien cette épée. On est un peu confetti. Je sais plus ce que j'ai écrit à propos de lui pour la revue, mais ouais, c'est de la résine parce qu'ils ont les dos, dans le dos troué. Je vais essayer de vous montrer. Et
Est-ce que vous allez voir là? Vous voyez là, vous en avez un plein devant. De trouées. Celui-là, là. Après, niveau déchets, j'en ai pas mal. Déjà, ensuite, même pas la moitié. Alors, il y a des strass qui étaient dans. Avec les strass que j'ai mis et qui n'étaient pas jolies. Mais vous voyez, j'ai déjà tout ça. Donc, à voir. De toute façon, les diamants, je peux pas les garder. Ils sont dans la poubelle. Parce que j'ai pas les DMC. Vu que j'ai suffisamment de diamants comme ça en rond, je vais pas m'amuser en plus à garder ceux qui n'ont pas de DMC. Ah, il descend. Dieu. Ouais, j'en ai trois. J'en ai pas. Je suis désolée vraiment. J'aime bien, j'ai pas être désolée. Et puis ça se trouve, j'en ai plein d'autres. Le J, j'en ai pas. En fait, le J là que j'ai dans cette section, ça va être surtout. Je vais surtout le remplacer là en haut par ça. Je sais pas si. Je pourrais prendre 2 minutes parce que je vous ai montré ce que j'allais mettre. Mais là, je vous ai pas vraiment montré comment ils étaient. Mes strass. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est voilà, donc oui, il y a 2 couleurs, hein, mais bon, moi après, hein. C'est surtout pour faire mes incorporations. Donc. J'en ai plein de stress. Mais non, je ne les donne pas. Et je ne les vends pas non plus. Car je m'en sais. Je crois que j'avais des diamants qui étaient partis. Ils avaient volé sur moi. Toi, tu ne fais pas partie. Je ne sais pas ce que tu fais ici. Bon, je crois que je vais changer ma scie. Dans ce stylet. Donc voilà, sinon c'est tout. Oui, le 10, on s'en va. On part 4 jours en vacances. Le mini week-end, quoi. Tac, 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 tac. J'aimerais bien lancer cette section quand même, la finir, mais je suis contente, donc je me dépêche un peu. Donc voilà, vous allez plus voir l'unboxing si j'en ai à poster, mais je posterai pas maintenant, je vais le mettre pour le mois de décembre, tant que c'est un unboxing pour Noël. Alors, attendez. Hop là. Parce que là, j'en ai pas mal.
6. Donc, j'arrive à utiliser ce. Bon, j'arrive. Maintenant, allez! Ah, des fois, les gamins ne veulent pas venir. Alors, c'est un peu chiant. Ce multiplexeur. Alors, je pense qu'on va mettre 9 dessus. Vous voyez, j'arrive à l'utiliser. Ouais, 9 ou 12, je pense. Je dis que j'arrive à me servir de 3. Pourquoi tu bugs? Ça veut pas. Voilà. Alors, j'ai encore un peu de mal, hein, c'est normal. Mais sinon, ça va. Et oui, non. Heureusement que je fume pas. Qu'est-ce que ce serait si je fumais? Désolé pour les fumeurs. Hein. Mais moi, je ne fume pas. Voilà, ce matin, j'ai fait ça. Là, je me suis reposée. J'ai fini de regarder l'unboxing, la première impression. Et l'inventaire de l'unboxing que Lorraine de la chaîne Diamant Express a sorti ce matin. Après moi, ça fait un petit moment que j'ai pu commander sur AliExpress. Je pense peut-être pour Noël m'acheter peut-être une Témière en carré. Mais je verrai. Et... Ah bah d'accord, c'est pas ce côté. Oui, je sais, c'était pas bon. Bien. Allez. Je veux pas venir en plus. Bon. Allez. Pas beau. Non, j'ai mis le pire faire un livre ici, ça fait vraiment pas joli. Donc, on va faire le L. Ouais, j'ai pas beaucoup avancé ce DP. Hein. D'habitude, cela me prend quoi, une semaine, mais là. Mais j'étais occupée quoi. J'étais occupée, puis j'avais pas très envie de faire du DP à H24. H24, je me comprends quoi. J'en ai marre de tousser. Un peu aussi. Hop. Ouais, quand je peux, j'essaie d'utiliser au maximum le multiplaceur quand j'y arrive. Quand le diamant veut bien se mettre de mon côté. Bon, je vais changer la serre parce qu'elle m'énerve. Donc moi je prends soin de cure-dent, ben, là du coup c'est un Mikado qui est moitié pété. Hop, et j'enlève la cire. Et quand j'arrive dans la poubelle. Oh mais... Ça, tac. Je vais remettre l'axe un peu. Du coup là je vais utiliser celui-là, j'essaye de varier. Donc j'utilise une petite pression avec le stylet rose. Donc ce stylet vient de chez Shopee. Donc c'est une clé.
Alors si je mets pas du bon côté. Voilà, c'est un stylet. Alors, attendez. Comme ça, vous voyez, c'est une clé. Je l'aime bien ce stylet. Donc, il y a des diamants, ils sont plus grands que d'autres. Enfin, je pense pas que c'est une impression parce qu'il y en a un que j'ai dû enlever. Est-ce que je vais le retrouver ou pas? Qui était énorme en noir. Je me souviens. Je me demande si c'est possible. Bon, bref. Du coup, voilà. Ouais, du coup, j'en ai un énorme. Donc, je pense qu'il y en a qui doivent être plus grands que les autres. Après, c'est du DP de chez Action. Hein. De toute façon, que ce soit des DP d'Action ou des DP de Diamond Art Club, on a toujours des déchets. Hein. De toute façon, je vais pas tarder à couper parce que j'ai plus grand chose à vous dire. Je vais avoir un truc chaud quand même. C'était mes matos. Et puis voilà. On va finir mon les L ensemble. Ouais, ce sera un vlog d'une heure à peu près. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné un vlog d'une heure. Donc encore désolé pour ma voix, j'essaie de vous augmenter le son comme d'habitude à fond quand je fais mon montage. Ouais, voilà. On va essayer de finir carrément la réglette ensemble. Qu'en pensez-vous? Après, dites-moi si ça vous intéresse, mais j'ai remarqué que les vlogs avaient plus de vues que le reste. Moi, je me suis amusée aussi cet après-midi. Tout à l'heure, là, quand j'ai rangé ma bannette à DP, il y avait des diamants dans ma bannette qui étaient tombés. Je me suis amusée à tester aussi un petit aspirateur que j'ai mis dans le deuxième partenariat. Oh, j'arrête pas de vous faire bouger, je suis désolée. Parce qu'à force, vous voyez plus rien. Désolée. Ouais, et mais l'aspirateur. Alors au début, je comprenais pas parce que je crois que je l'enlevais en fait, je faisais comme ça. Et à chaque fois, le machin vert qui sert de récipient, et mais il s'enlevait. Mais en fait, faut pas le lever. Je me suis repris à trois fois en me disant, mais en fait, je pense qu'il faut pas que tu le lèves. Quoi. Tu vois, vous voyez. Vous voyez, même cette boîte, regardez. Là, c'est pour ça que je me jette sur attention aussi. Parce que, vu que ça tient pas hier, j'ai tout mélangé. Hein. Fatalement. Ah, j'ai oublié un silence. Étonné que je fasse pas un oubli. Hop. Donc cette réglette elle est très bien, hein. Je vous la recommande, je vous mettrai le lien. Je crois que je l'ai acheté sur Amazon, il me semble.
Oui, je crois que c'est ça, c'est sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Si jamais ça vous intéresse, écoutez. Je vais vous montrer ma couleur préférée de cet été. C'est le R. C'est celui-là, mon gars. Il y a un verre devant qui a rien à y faire. Mais... Alors, mais c'est d'ailleurs parce que je sais que c'est un N. Je vais vous montrer. Ouvrir mieux dans la barquette. Voilà. C'est ma couleur préférée de ce DP. Comme toi, Lorraine, j'adore le rose. Moi, j'adore le rose depuis que je suis toute petite. Encore la semaine, mais quand j'étais toute petite, je mettais que des choses roses. Des pulls roses, des pantalons. Voilà. Moi, je crois que toutes les petites filles aiment leur rose quand elles sont petites. Oui. Donc, hop, j'ai presque fini la paire. Encore ça va, je trouve que j'ai quand même assez de textes réglettes, maintenant je m'y suis habituée. Donc je commence à avoir à prendre la main, le coup de main. Alors cette section que vous voyez là, non vous voyez pas, j'ai dû la faire... À finir à la main parce que j'étais partie de travers avec la reine avec la raguette. Donc du coup ça m'avait gonflé et après moi j'ai tiré par la raguette. La carré, je vais les réessayer. Je sais, non, c'est pour les 150 abonnés. Et bon, après, après, je vais vous en acheter une pour vous, de m'en racheter une à moi. Elle est levée et on a fini la réglette. Et après, je vous laisse vaquer à vos occupations. C'est bien du V et non pas du U comme je croyais avoir vu dans la préparation. Donc après ça va être pour le défi du coup Discord de d'Emma, de la chaîne Folie d'Emma. Et après je vais commencer ma toile vierge, je pense. Non, après, il faut que je me remette à jouer un peu dans les DP. Et quand je me serai remis bien à jour, ben, je ferai ma toile vierge. Un diamant carré. Et j'ai déjà prévu de faire une toile vierge diamant rond. J'ai trouvé une image sur Pixabay. Comme ça, c'est libre de droit normalement. Donc, je m'en fiche, moi. Mais... Quand je peux faire les choses bien, autant les faire.
Après, c'est clair que je commanderai jamais chez Diamond Art Club. Je vois, il y a des personnes sur LinkedIn, elle est à 100 euros. Mais à 100 euros, on les achetait directement sur Diamond Art Club. Hein. Parce que, comme il y en a, ils ne s'embêtent pas, ils vendent 10 euros les DP de chez Action, les nouveaux là. Alors que. Ils font 5 ou 6 euros, je crois. Mais presque le double. Donc je trouve pas ça. Bref. Bon, après je fais attention quand je suis sur une tête. Et là, un petit moment, c'est pas pour moi les achats que je suis sur une tête. Donc voilà, on a fini la réglette. Donc je vais vous montrer comment je fais, même si vous savez comment je fais, hein, je vous ai déjà montré. Et après, je clôturerai ce vlog. Alors, je ne sais pas s'il y en aura un deuxième. Je pense pas en général, j'essaie de faire un vlog par DP. Donc, je pense pas qu'il y en aura un deuxième. Donc, je prends. Alors, si vous avez un rouleau ADP, les petits machins rouges, on fait comme ça. Si vous prenez votre rouleau à pâtisserie, moi je sais que depuis le début que je fais du DP, j'ai ça, c'est un rouleau à pâte à sucre. Et il fait très bien l'affaire. Vous voyez, ça fait exactement le même job que le rouleau à Diamond Painting. Hop, je le pose. J'essaie d'attraper ma réglette d'un côté. Ce qui n'est pas très facile. En fait, après, j'appuie avec mon doigt. Et quand ça ne veut pas, comme celui-ci, hop, je prends le stylet et je vide. Donc, j'ai mal fait. Et je remettrai correctement après, c'est pas un. Donc il y en aura une visite. Voilà, j'ai oublié une petite ligne. Alors il est où celui que j'ai mis? C'était pas celui-là, c'est sûr et certain. Il est là. Alors, je regarde que ça pop pas. Là, j'ai l'impression que ça popait. Et voilà. Ma petite ligne là, je la ferai tout à l'heure hein, ou demain. Et voilà. Déjà, on aura fait une petite réglette ensemble. Donc, je peux peut-être vous approcher un petit peu pour vous montrer ce que ça rend. Je vais vous montrer ce que ça rend. Donc voilà. Donc je vais vous dire où est-ce que j'ai mis des strass. Donc j'en ai mis ici. Après j'en ai mis. Où est-ce que j'en ai mis? Je sais même pas où est-ce que j'en ai mis. Ah oui. Dans cette partie là, vous voyez, ici. Et après, je vais tourner comme ça, ce serait mieux. J'en ai mis, voilà, ici, ici et ici, des jaunes. Donc, voilà pour ce DP. Hop, je remets le papier, moi je vais me boire quelque chose de chaud. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je fais ça pour enlever la poussière.
Maintenant, je vais avec ma brosse à dents, vous pouvez y faire d'ailleurs, je vais vous montrer. Même pendant que vous faites le DP, hein, c'est un souci. Vous prenez une brosse à dents, de préférence exprès pour le Diamond Painting. Voilà, moi, une brosse à dents lambda. Et en fait, vous frottez au moins s'il y a des poils ou des cheveux. Et même des petits copeaux de cire, et ben ça vous les enlève. Après vous pouvez faire avec les avec des lingettes pour bébé, mais si vous avez des diamants AB, je vous déconseille, car ça vous enlèvera, ça va vous enlever la couche AB en fait. Il vaut mieux faire avec ça. Et bien y faire, moi c'est pour ça que j'essaie d'y faire bien bien bien. D'habitude j'y fais à la fin, mais là c'est pour vous montrer. Voilà. Hop. Et comme ça au moins, ben, vous n'avez pas de copeaux, de poils, de je ne sais quoi. Et vous voyez la réglette, ça vous les met bien bien droit. Donc voilà, c'est cette section que j'ai fait. Comme ça, sans réglette, parce que j'y arrivais pas. Donc j'ai fait sans réglette. Après là, j'ai. Voilà, après c'est là on a fait ensemble. Hein. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager ma chaîne, ainsi que cette vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!